D'abord, merci à tous d'être venus ce soir pour élire notre nouvelle ambassadrice du département. Bon, c'est jamais un exercice facile, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les filles ont vraiment du courage. D'ailleurs, on les félicite toutes, elles ont déjà toutes gagné, rien que par l'expérience humaine qu'elles ont vécue ce soir. On peut être fiers de toutes ces ambassadrices qui ont voulu représenter dignement notre département. Alors oui, il a fallu faire un choix, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des perdantes. Elles ont toutes gagné quelque chose, quoi qu'il en soit, et elles font toutes partie de notre famille Miss Haute-Pyrénées. Ensuite, je tenais vraiment à remercier tous nos partenaires sans qui, évidemment, cette soirée ne serait pas possible. Le soutien de notre comité régional Miss Midi-Pyrénées avec Karine, qui nous accompagne, qui nous rassure à longueur de saison, et sans qui non plus, mais rien ne serait possible ce soir. Merci à mon équipe de choc, sans qui, évidemment, hein, je ne peux pas tout faire tout seul. Je ne serais pas capable de proposer une soirée comme celle-ci. Et puis, merci à vous, parce que finalement, c'est votre choix qui a permis d'élire notre future ambassadrice. Deuxième dauphine. La candidate qui portait le numéro 2, il s'agit d'Anthony Carzo. Les deux candidates finalistes. La tension est perceptible. Je vous rappelle que ces deux candidates participeront à l'élection Miss Midi-Pyrénées qui aura lieu le 3 septembre prochain. La première candidate à rejoindre le devant de la scène est finaliste de l'élection Miss Haute-Pyrénées 2022 et la candidate qui portait le numéro 7, Marcos Messaert. La deuxième candidate en compétition pour l'élection régionale qui aura lieu au château de la Garrigue le 3 septembre prochain, elle porte le numéro 3, il s'agit de Nelly Pat. Merci d'honorer comme il se doit
votre nouvelle Miss Hautes-Pyrénées 2022. Il s'agit de la candidate qui porte le numéro 7, Margot Spézaert. Alors Margot, on est à quelques minutes après votre couronnement. Alors déjà, première impression, qu'est-ce que ça fait de devenir Miss Hautes-Pyrénées ? C'est incroyable, je m'y attendais pas du tout. C'est un mélange à la fois d'adrénaline, de joie, de fierté. Je pensais pas qu'un jour je me retrouverais là et aujourd'hui j'y suis et j'ai même pas les mots pour expliquer ça, c'est juste incroyable. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous présenter déjà pour ce concours ? Ben, il y a plein de raisons. Déjà, c'était un beau challenge pour moi. J'ai l'habitude de me surpasser et là, de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de sortir de ma zone de confort et de me prouver que j'étais capable d'en arriver là. Et j'y suis arrivée et c'est génial. Alors maintenant, pendant un an, on va vous voir partout dans les Hautes-Pyrénées, c'est l'objectif. On peut en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel âge vous avez? Alors, j'ai 23 ans. Je suis originaire de Lourdes. J'ai grandi toute mon enfance à Lourdes. Et maintenant, je suis urbaniste. Je travaille dans l'aménagement du territoire. Et j'ai plein de projets pour travailler à l'international sur des projets de développement dans des pays comme l'Afrique, notamment. Prochaine étape, la région, le 3 septembre. On s'y prépare un peu ou là pour l'instant, juste kiffer les nombreux cadeaux et le plaisir d'avoir la couronne sur la tête et le char. Là, je crois qu'il faut que je vive le moment présent, que je me remette de mes émotions et après, on ira, je donnerai tout pour la prochaine étape, il n'y a aucun doute. À bientôt alors. À bientôt.